Depuis hier, à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. Et c'est-à-dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone. C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, je n'ai pas insisté. J'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat au climat d'Algérie, vous voulez dire ? C'est ça ? Je veux dire, ça m'a dit qu'il ne fait pas chaud. À cette période de l'année, il fait très froid. C'est ce que vous voulez savoir ? Toute l'année ? Là, au moment où on joue, je parle pas de mois de juin, je parle okay. Mais c'est quoi votre question en fait? Si vous voulez rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur, monsieur. Non, non, non. Vous allez dans une impasse. Je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Mais je vous rappelle qu'à Abidjan, il fait toute l'année, il pleut. Donc quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? Monsieur, vous êtes journaliste ? Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun maintenant, aujourd'hui. Donc vous, c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un. Vous avez posé votre question, khlas. Il n'y a plus besoin de. C'est plus un. Il y avait une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue.